Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui là sous ce beau soleil pour une petite vidéo pour voir un peu les avancements sur le DRD. Donc vous le remarquerez de suite, il y a un peu d'évolution au niveau du poste de pilotage. J'ai pu monter les protège-mains MSR qui aujourd'hui on trouve facilement dans le commerce, mais à l'époque où je les avais achetés, il y a une dizaine d'années, on était obligé de les faire importer des États-Unis. Je me souviens que j'avais payé à l'époque, pour la petite anecdote, plus cher de frais de port pour les faire venir des États-Unis que de pièces en elles-mêmes. Ça, c'est pour la petite histoire. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'ai monté donc un mètre cylindre de frein avant radial MOST. Donc, écoutez, ça a l'air d'aller pas mal. Pour l'instant, il n'y a pas de durite, il n'est pas branché, il n'est pas purgé. Ici, hop, ça passe au millimètre. Tout va bien, c'est nickel, ça touche nulle part. Les supports de protège-mains ici, ce n'est pas ceux d'origine des protège-mains MSR livrés avec, car avec le gros guidon ici, ça ne s'adaptait pas, donc j'ai dû en adapter d'une autre marque de protège-mains. Ça, c'est des supports de protège-mains UFO. Voilà. Ici, on a donc les pontées Conti avec de la visserie inox pour pas que ça bouge. Ici, on a un écrou de direction ProBolt. On va dire, c'est pas du tout nécessaire et ça vaut très cher pour ce que c'est, mais c'était un petit plaisir. Et dessus, j'ai collé à la pâte à joint en fait un embout caoutchouc pour fermer la colonne de direction. Dans l'absolu, quand j'aurai tout validé, il faudra que je redémonte tout pour éventuellement changer ce joint là qui a bien vécu et qui a craquelé depuis. Voilà, donc le poste de pilotage il est un petit peu avancé, tout est monté, tirage rapide, etc. Là la moto je viens de la sortir de l'atelier depuis plus d'un an, elle y était sous les couvertures, etc. Mais malgré tout elle est archi poussiéreuse. Elle mérite un énorme nettoyage. Pour ce qui est du reste, ça n'a pas plus avancé que la vidéo que je vous ai fait il y a une dizaine de jours. Mais bon, là on se rend quand même beaucoup mieux compte vu qu'on est en extérieur que dans l'atelier, c'est assez sombre. Donc, comme je vous ai expliqué, il faudra que je polisse le bras oscillant. D'ailleurs, ce ne sera pas celui-ci, mais un autre du même modèle. Tout simplement parce que celui-ci avait eu les pattes de fixation du protège-chaîne d'origine supprimées, découpées. Ça a été fait proprement, mais moi je veux monter un bras oscillant où elles sont encore présentes. Il y aura par la suite un protège-chaîne en carbone véritable. Voilà. La béquille, elle est montée provisoirement, elle va être repeinte, tout va être fait nickel. La moto actuellement, là, elle est vraiment, vraiment sale, je ne sais pas si vous en rendez compte. Il y aura des caches d'axes réalisées en imprimante 3D par mon ami de longue date, Luziren. Pour le reste, il faut que je monte un allumage. Je pense monter la dernière version des allumages Celetra par Twin. J'en ai entendu des bons retours. Et surtout moins cher et beaucoup plus facilement disponible qu'un PVLB d'Allo par exemple. Ensuite, donc toujours les durites de frein avant-arrière à prendre les côtes et à commander, monter. L'étrier ici à démonter, nettoyer propre, changer les joints, changer les plaquettes, etc. etc. pour faire un ensemble neuf. Une fois que j'aurai la jante avant définitive, il y aura les entretoises à créer qui ici ne sont pas pour l'instant à la bonne taille. Voilà pour ces petits éléments. Tous les polissages bien sûr vont être à reprendre parce qu'ils sont complètement ternis avec le temps. Et puis plein de détails à reprendre. La moto là ça fait on va dire un an et demi qu'elle est déjà dans cet état. En soi elle est censée être neuve mais toute la visserie s'est déjà oxydée, etc. Donc c'est pour ça que je vais passer en inox de partout. Le carter d'embrayage ici, il présente pas mal de défauts aussi, ça me chagrine un peu, donc je vais voir ce que je peux faire. Soit éventuellement le polir sur la partie centrale, soit le remplacer, parce que celui-ci en plus c'est un modèle de GPR, donc j'ai pas la sortie d'axe de kick. Et j'aimerais bien le monter, donc je vais peut-être le remplacer. Sachant qu'ici on n'est pas sur un moteur de GPR, on est un moteur de Senda tout court, donc je peux monter un kick, il n'y a pas de problème. Voilà. La semaine dernière, j'ai monté le pot, on va dire, de manière un peu plus définitive. Donc, tout est monté à la pâte à joint, etc. pour l'étanchéité. Avec le silencieux KRM que j'ai pu monter
ici avec la fameuse pièce d'adaptation vendue par Most, donc de chez Scootfast là. Donc ça m'a sauvé un peu la mise parce que sinon il aurait fallu que je coupe le support de silencieux d'origine qui est soudé sur le tube de fuite et que je modifie pour avoir les bons anthrax pour fixer mon silencieux. Donc tout ça là c'est monté un peu à blanc. Ce sera pas ce collier là définitif parce que celui-ci est juste métallique et ça va m'abîmer la cartouche. Je veux un collier avec du caoutchouc. Voilà. Ici au niveau des jantes, donc j'ai toujours pas pour l'instant trouvé de jante de DRD Racing qui me convienne. J'ai éventuellement trouvé une jante avant neuve, mais il me manquerait une jante arrière. Donc voilà, ça suit un petit peu son cours. Pas mal d'évolutions de petites pièces qui vont venir, des petites modifications. Sachant que j'ai envie de monter quand même une petite panoplie de pièces KRM pour, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, rendre hommage à mon ami Patrick qui est décédé. Donc la housse de selle va sûrement être une KRM, surtout que celle-ci présente pas mal de défauts. Elle a des traces de produits qui ont coulé. Elle a un accroc ici, enfin. Donc je vais sûrement la remplacer. Par la suite, je montrerai sûrement des petites pièces comme sélecteur, bouchon de remplissage d'huile, ce genre de choses du catalogue KRM. Peut-être même, pourquoi pas, leur ponter, à voir, pour remplacer cela éventuellement. Enfin voilà, pas mal de choses. Là, il y a déjà le coupe-circuit KRM. Bon, ça c'est simple. Voilà pour où on est né. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, les amis. À la prochaine.